fait ça moelleux. Hein. Fais ça moelleux. Mmh. Et bien quand c'est moelleux, quand c'est dur là. C'est pas bon. La fatigue. Mais ce qui était derrière la bijou, parce que je suis fatiguée. Mais parce qu'on commence à dégivrer, nettoyer. La prochaine fois, je vais demander qu'on me nettoie ça là-bas. Donc, toi, tu veux se faire des sacs. Mmh. J'ai pas pensé. Et comme je courais ce jour-là, j'ai pas. Prochaine fois. Quand je vais même partir là, je vais à Zola, tu me donnes le contact de la dame. Il peut aussi prendre ça. Mmh. C'est la dame aussi qui. Je devais prendre une valise, la Bible, j'avais apprêté mes 23 kilos. Je prends une valise, non. Ah, hein? Aussi les... Moi, j'ai 32 kilos. Hein. Quand tu as 32, moi, je prends 23, non. Je dois rajouter tout bagage. Je prends ça avant. Pour que ça ne coûte pas. Welcome back. Thank you, darling. Good morning. Good morning, everyone. How are you guys? I hope everything is okay. J'ai fini avec l'anglais le dimanche. J'ai fini avec vous. Elle ne souffre de rien. Coucou, Mamoun. Bonjour, Mamoun. Ma marraine est là. Ma madre est là. Je voulais toujours dire que je suis marraine, je ne suis pas maman. Ma marraine est là. Ma nous marraine. Sommes, nous sommes en shine à la cuisine. Mm-hmm. Elle est sexy, elle habite. Mm-hmm. Elle est. Comment mon Renita, Benny. Ouais, I miss you, beauty. Ah, I miss you too, sweetie. Merde, je parle bien anglais. Bonjour, Antia la belle. Merde, Mamoun. Apprends-moi les cœurs parce que je choquais un peu bien l'anglais là ce matin. Hein. Je vais vous surprendre avec l'anglais ici là. Je vais vous surprendre avec l'anglais parce que. Maman. Yeah. Le poulet n'est pas encore prêt, maman. C'est pas encore prêt. Le bâton. Le bâton déjà. Pourquoi tu fais quoi avec le bâton? Tu vas manger tout à l'heure, non? Après, on va manger tout à l'heure. Maman fait. Gloire. Oui, tu pas très bien. Hey, maman, pas très bien. Je me débrouille. Hey, il est temps, divine, mon temps. On ne baisse pas la garde. Toujours le régime. Oui, maman. Maman, j'ai jeté ça. Mais c'était nul. C'était pour le savon. Et ça, tu voulais faire comme ça et ma ou bien c'est dessus. Ne teste pas des souka maman. Teste pas qu'un souka. Pourquoi tu as enlevé le pantalon? Va me mettre ton pantalon. C'est chaud. Tu as chaud où? Après tu vas tomber ma. Allez allez. Allô. Ok. Tu me mets le pantalon vite. Allô. Ok. Maman c'est le. Maman, yeah. Les ils sont les bénis. Mais tu connais pas ça. C'est qui a dit? Laisse-moi lire Tata ici là. Matt, c'est la fille. Bon dimanche, maman. Mary, c'est comment? C'est elle vient me déranger là. Vous voulez quoi? Laissez mes beignets. C'est ma marraine. Vous avez vos marraines, non? Tata, il me dit après. Non, non. Tata, c'est comment? Ce n'est plus pour Tata. Si je vous donne, est-ce que vous allez manger? Ce n'est plus pour Tata, c'est pour moi. J'aime les beignets. J'aime les beignets, mais ce n'est pas les beignets que tu aimes. Ce n'est pas les beignets que tu aimes. Hmm? Ce n'est pas les beignets que tu aimes, maman. Oui. Elle ne va pas. Tu aimes ça, hein? Mm-hmm. Tu as les beignets de... C'est bon. Il ne faut pas mettre plus. Et elle dit c'est bon.
Elle dit que les deux femmes du Japon. C'est bon. Depuis quand on mangeait beurre de maïs? Beurre de banane. Elle a mangé ni. Tu as mangé quoi? Les deux comme les cœurs. Ah oui, les jumelles, oui. Ma habite tellement nettoyée depuis que c'est un boulot que j'ai commencé à mettre le. Oui. Il y a trop de travail. Pourquoi moi-même je vais acheter ça? C'est pratique. C'est pratique. Tu juste. Yeah. Il n'y a pas les odeurs, il n'y a pas de. Quoi? Non, non, vous allez manger. Ma bille, sinon, elles vont manger. Je veux pas manger. Maman, c'est fini. Non, on va tous manger. Très bon. On attend papa, tout le monde mange. Oui. Donc, les mamans qui ont le X. La bille, les arrêts du bonheur, c'est comment? Le X là, et voilà comment je fais maintenant. Je mets ça comme ça là parce que laver là, ça fatigue. Donc, je mets à l'intérieur comme ça là. Voilà. Est-ce que l'histoire là, après ça crame? Oui. Le papier sulfurisé. Ça crame là et tout. Tu vois comment ça braise bien. Ça braise super bien. Si il y a le bâton. Non, je ne sais pas si c'est comme moi, le régime. Mais tout le monde mange. On va manger, attendez, personne, attendez, attendez. Mais on va manger. On peut manger le frit. Non. Tu dois changer lui dans la friteuse. C'est... Ça braise vraiment. Attendez, je vais me tourner. Ça braise vraiment bien. Ça braise super bien. Ouais. Super, super bien. Bonjour. Tu es dans l'enjoy, la big, les oreilles du bonheur. La patronne. C'est la planche qui me retient ici, là. Bonjour, mon bébé Fleur la douce. Comment tu vas? Oui. Les FAL. Oui, c'est ça, maman. C'est très pratique, maman. Et ça braise super bien. Vous voyez. Pas du tout sec, c'est bien. Tu es dans l'indioca. Elle est dans l'indioca. Elle est enceinte. Elle est jusqu'à. Ma BS. On va chercher là-bas. Alors, ma BS. Bon, attendez, je vous montre. Vous allez demander la marinade. Il faut toujours mettre un peu de lait. Voici la maman. C'est vrai que maman mange le bâton et le poulet. Oui, après. Vous voyez. J'ai mis un peu de lait. Et maintenant, vous mettez vos épices là. Mettez les épices de Star Beauty. Vous voyez, c'est bien mariné. J'ai fait ça depuis hier. Donc, vous voyez, comme ça, bien. Vous voyez. Star Beauty. Voilà. Maintenant, on mettait un peu d'huile parce que on vous évite dans votre marinade. Un peu de lait toujours, moutarde, nanani. Voilà. Maintenant, je mets à l'intérieur. Tu as vu tout à l'heure, sinon ça allait cramer. C'est le travail. Hein. Il faut connaître. Moi aussi, j'ai bien apprendre. David, tous les jours. Tu déranges. Je viens apprendre. Tu déranges. La grande est venue. Maman, elle est baignée. Maman, le goût des baignées là. La dame qui a fait ça, elle doit te passer la commande. Maman, le temps. Elle fait ça à la veille. Je ne peux plus. C'est le travail. 4, c'était comment, c'est 4 kilos de beignets de maïs. Nice. Tu te rends compte, le travail de ça. J'ai fait les beignets jusqu'à 4 du matin. Mercredi à la veste. Bonjour Mary Ngondé. 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 Bonjour. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le rôle du lait. Ça ramollit et le poulet est moelleux. Ouais. Et oui, le poulet est moelleux et ça donne ce petit goût sucré. Au lieu de mettre le ketchup, mettez un peu de lait et c'est bien. Je vous ai dit ça, non, le ketchup fait bien, c'est plus sucré. Je préfère le lait. Ok, ma belle, laisse le main comme si dans mes 18 ans.
Est-ce que la Bible veut vieillir? Elle dit quand la vieille va rester quinquin. Maman, regardez 61 ans, elle est quête. 61 ans bien sonné. 61 ans, regardez comment ma marraine elle est belle. Et moi je dois. Non, le poulet. Ah ouais. Donc moi je dois vieillir. Oh. Ma salade, le régime. Vous avez dit ça non? Le régime. On est dedans. Non, on est dedans. Il dit qu'elle est belle ici. Donc on nous. Oui, 61 ans bien sonné. 61 ans, oui. 61 ans bien sonné. Je vous ai toujours dit mon âge ici sur Facebook. 61 ans bien sonné. Mm-hmm. Merci pour tous les belles. Ma maman, elle est debout. Bon, vous avez dit à DF, on n'a pas vraiment les mains de pistache. Faites des coupées comme ça là. Quand tu veux manger, tu sors seulement, tu dégivres ça. Et c'est bien présenté. Voyez. Bien, garder comme ça, là, voyez, non. Comme ça, votre papa va bien manger tout à l'heure. Béa, je t'ai déjà dit que ne m'appelle pas souvent Pat. Appelle-moi Mamzelle. Elle est là. Béatrice est une de ma soeur d'enfance, non. Ah. Elle dit bonjour, Pat. Tu appelles qui, Pat? Mamzelle. Ok. C'est comment? Ah, c'est les gens de Facebook et tout ça qui m'appellent Patricia, mais toi, c'est Mamzelle. Voilà. Donc, ma bine. Je refuse. Ma bine. Ma bine. Waouh, rien. Waouh. Merci maman Nadie. Partagez, non, vous n'aimez pas partager. D'ailleurs, on a la cuisine, on passe un bon moment ensemble. Ça se passe bien à Lausanne. Partagez, mettez les cœurs, likez la vidéo et soutenez votre maman. Comment allez-vous? Voilà, maman rose d'éclair, dans maman chou. Excusez-moi, c'est vrai que moi, je préfère faire comme ça là. Je trouve que c'est rapide la vie, que de prendre la planche. La planche. Je trouve que c'est plus rapide et je fais ça bien. C'est vraiment... ma baisse, les oiseaux du boulot, tu dirais quoi? Tu as 18 ans à l'heure, si. Elle dit qu'elle a 18 ans. Qui toi? Non, elle. Mais ma belle, merci, voilà, parce que c'est liker la vidéo. Tu devrais nous faire l'anniversaire, non? Tu as oublié. Elle nous a fait des temps, c'est que elle ne veut pas qu'on mange la sole qui est là-bas chez elle. C'est que pour moi, ça a raté pendant 2 ans que je voulais traiter mes soeurs. Pour maman, la douce. Maman, il est produit de beauté. Ah oui, maman, c'est ça, ça ne souffre pas. Les meilleurs produits, c'est ça, du. Annie Moukal, depuis le Mali. Likez. Et maman, likez souvent les vidéos, pardon. Likez. Et quand vous voyez, vous êtes en direct, likez la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Appuyez les cœurs. Appuyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Merci maman, la douce. Annie dit quoi? Depuis. C'est quoi le Mali? Depuis le Mali. Ouais. Bembe. Mbembe Swanda, ah oui, Mbembe Swanda, merci, Swanda Mbon. Terre et sal, c'est comment? Hein? Pas dit le secret, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour. Pas trop d'alcool, pas trop de nourriture. Voilà. La bique est stricte, hein? Jolie rose, maman. Bonsoir. Mon papou est où? Ton papou arrive. Il arrive. Il nous guette là. Partagez. Il m'a dit, attends, c'est quoi? Vous faites un voir ça. Hein? Seulement là-bas. Les femmes se font même quoi là-bas. Elle dit que, mais oh. Faites même quoi. Maman, il faut respecter le matin. Prends la place. La vie, pas la vie. Et quoi?
frère, vraiment toi, hein? Tu as un cas. Il faut respecter le matériel que nous avons apporté pour la douche. Dans la planche. C'est un cas, maman. Du cas social. Vraiment. Je jure. Maman. Voici, voici la planche. Voici votre planche. Tu as un cas social, toi, maman. Live, live. Madame, c'est votre question. Merci. Bonjour, Mendimezon. Ok. Vraiment drôle de nom. Alors là, Mendimezon. L'eau de quoi? L'aubergine. Ah. Mendimezon. Il y a des noms. Je t'ai dit. Ma baisse, les oiseaux du bonheur. Tu dis que tu viens chercher quoi? Les gambas. Est-ce que moi, je suis arrivé là, les gambas sont au congélateur. Est-ce que moi-même, j'ai déjà mangé? J'ai pas encore mangé. Je suis fatigué. C'est qu'on va manger ça. On va manger. Les derniers gambas, on a mangé ça quand c'était à l'anniversaire. Anniversaire, oui, à l'anniversaire. C'était le dernier paquet. Ouais. Mon anniversaire arrive bientôt. Donc, le tour aussi là. Je vais arrêter. Je vais tous vous arrêter. Akumu Yohana. Je vais aider tout le monde. Akumu Yohana depuis la Belgique. Coucou maman. Très belle maman, merci ma chérie. Depuis. Oh! Il y a beaucoup de. Comment on appelle ça? Pas les femmes. Non, non, les mamans? Non. Oh, pas les mamans, les. Oh, qu'est-ce que ça va? Ça va? Les clientes. Clients en Belgique. La Belgique, la France, les États-Unis, vraiment. J'espère que mon petit frère qui est là-haut, il enlève les mauvais commentaires là. Hein. Je sais pas, c'est 510 quoi, là, ça fait quoi. Merci beaucoup. C'est 510, c'est qui ça? Non, moi, il n'y a plus rien sur ma tête là. Bisous, mais dis-moi. Depuis Yaoundé, du bois, Henri. Ils vont faire lien tout ici devant. Quand je lis les commentaires, regarde ce que la magade se va amener. Les beignets de. Ici, c'est bon. Les beignets de. C'est bon. De banane. Beignets de banane. Depuis. Quand elle veut respirer, depuis elle veut laisser sa tête respirer. On ne devait plus mettre les perruques. Ne commencez même pas. Toto, mon fils chef Rodrigue, comment tu vas? Merci. Ne commencez même pas avec cette histoire-là. C'est une bonne maman. Non. Ah non. Ah, ma kalimoudzoué. Exactement. Ça veut dire le beignet de banane. Elle te dit qu'elle est moelleux. Mais dis-moi, elle parle, ou il ou elle, je ne sais pas. Elle parle, c'est moelleux. Mais calme-toi, Zoé. Et comme j'avais d'affaires là, mais comme je ne commence toujours pas monter, elle dit que je suis dans Star Beauty, je dois perdre les kilos. Donc, samedi et dimanche, je peux me permettre de manger un peu. Pas de farine, je suis dans mon régime. Star Beauty. Donc je suis dans la cuisine, ma tasse est là, je bois à longueur de journée. Donc faites comme votre maman. Je vais vous dire quoi? Comme il y a du Covid, je pense qu'on sera seulement en maillot. Tu vas encore venir? Une fois, bien. Appelez papa, alors on fait la table, on mange. Tu vas encore. Appelez papa, alors. Mais peut-être qu'il se lave. Ouais, frère. Papa se lave. Ah. Mais depuis qu'on l'a appelé, là. Il n'y a pas de. Faites alors la table. Faites la table, alors dressez. Il y a deux femmes
Et il y a Azaël Don. Azaël, Shilon, Joana. Dressez la table. Prenez les cœurs. Oh, merci. Merci. Harry Mathilde. Maman, le saumon. Ouais, toi, maman. Mais prenez les bails en bas. Mais tu as l'huile, maman. Tu finis d'abord de manger. Tu as l'huile. Après, tu nettoies tes mains. Les plats auront les taches. Donc, si tu as l'huile, nettoie d'abord. Pardon, les. T'es ça. Il est pour. Pardon. Tu m'as aperçu où? Seulement, elle était à la veille. À la veille. Mais les gens qui nous connaissent, non. Non, à vos profils. Je suis en route. Viens juste bout. Viens juste bout. Maman, je vais. Faut prendre les plats en bas. Venez. Au coin là. Non. Venez, on va passer à table maintenant. Le dire. Je pense que les trois là sont sales. Donc, les écrans, si ça informe les gens. La personne qui dit qu'elle m'a vu en direct là, donc ça veut dire que les écrans transforment les gens. Maman Louise est où? Maman Louise. Elle est au Cameroun. Tu fais comme ça, ça peut donc. Coucou, ma petite soeur Anne-Louise. Bonjour, bonjour, ma petite soeur. Ça va bien? Là, tu es en train de te réveiller. Il est quelle heure là-bas? Il est sûrement 8h. Maman, c'est seulement 9h. Merci beaucoup pour les cœurs. Allez-y. Vas-y, allons. La douce ma. Patricia, on peut m'appeler. Appelle-moi comme tu veux, maman, mamie, égale. Moi, je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui ont le problème de ça. Hein? Je dis que les gens ont des problèmes, mais vraiment, appelez-moi maman, ou tantine, ou grand-mère. Moi, je ne. Je ne considère pas. Appelez-moi comme vous voulez. Mais je vous dis que je suis marraine Patricia. Je ne suis pas mamoun. Donc, appelez-moi tantine. Grand-mère, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème avec ça. Merci, oh ma BS. Jean-Louis va venir nous manger ici. Tu dois le faire. Et même on te house. Oui, Marie. Marie-Louise, elle sera là bientôt. Elle est encore au Cameroun. Merci beaucoup, j'ai encore taillé, j'ai encore visionné ma coiffure. Ouh, les Mintumba. Allez, Asia. Flatchaps, Asia. Bien, ça fait des flatteries de ça. Merci, mes petites maisons. Tu vois ta BS. Je t'ai dit. Bien sa vie. Regarde, je suis là, les trucs sont finis. Maman? Oui. Je peux sortir le jus. Pourquoi c'est le jus? Tu danses d'abord la table. C'est le jus, tu penses déjà au jus. Moi, c'est moi qui ai mis les jus là, donc c'est pas à vous. Il pense déjà au jus. C'est pas à vous, les Fanta que j'ai mises là. Non, le Oasis. Azo, dresse d'abord la table. Le jus viendra après. Il est là, il pense seulement au jus. Maman, je prends. Ah, lui, si tu dis chip, oula. La douce maternelle, j'ai 61 ans, pas 60 ans. Il faut, ouais. 61. Pardon. 61. J'aime tellement mon âge que je m'amuse. C'est la grâce, Jean Bleu.
On a un grand velet. La ma... très jolie coiffure, la maille. Merci. Va caler, allez. Ma BS, je te dis. Il va seulement caler, il se dit cale là-bas. On parle maintenant, quand il va arriver. Il va arriver là, maintenant là. Il va nous dire. Elle va plus parler. Oui, 61 ans, pas 60 ans. Il faut appuyer le 1, doit être là. Bien sonné. Bien sonné. Dans 4 ans, je vais à la retraite. Vous nous imaginez, ici en Suisse, on va à 65 ans. Donc dans 4 ans, je vais à la retraite. Waouh. Ouais. Et elle est toujours choco comme ça. Là. Et après ma retraite, peut-être que si je suis encore en forme, je vais encore travailler à côté là. Pour gagner peut-être encore en 400 ou 500 euros. Parce que quand on va rentrer au pays là, on tout mort. Tu entends l'odeur de Mintouba, mais tu peux sentir. C'est tout mort. Non, j'ai une chérie quoi. Je vous aime trop. Ça, je vous montre. Mais, tu n'as pas encore fini avec les pays. Tu veux déjà commencer avec les Mintouba. Non, non, c'est bon là. Je suis une dame. Mais les deux qui vont rester là, qui va marcher? Ah, je me sens en train de manger. Fini, non, bon, après ça. Non, non, je vais encore utiliser pour... Ah. Ouais. Ouais, le merci. Ouais. Non, il te reste quoi, maman, dans ce décret? Papa vient, maman. Hum? Papa vient. Papa vient. Bon, c'est fort. Depuis là, la belle là, vraiment. C'est comment? Depuis qu'on t'appelle aujourd'hui là. Comment t'as une belle comme ça? Ah ah, on t'a dit non. Mais tu veux travailler? Attends, moi comment? Maman, mamie. Maman, mamie, il y a mon petit frère. Bon. Tu dois travailler bien. Laisse le main. Non, faut que je lui achète une. Une. Il boit quand même. J'essaie. Achète ce que tu achètes à ton bon frère. Voyez. 61 ans, regardez. 61 ans, tout plein. Vous avez vu mon petit frère là? Mon Gabi. Petit frère d'amour. Non, non, mais il t'entretient bien. Ben oui. Elle me disait la dernière fois que tu as pris 5 kilos. Je dis que les deux d'œil t'ont fait perdre au moins 10 kilos. J'ai fondu. Bien, j'ai repris. Déjà, pendant la maladie, tu dis. Vous voyez, quand il est là, ça va monter maintenant. Papa. La maladie là, il faut que tu as fondu. Non, là, tu as. J'ai repris un peu. Un peu. Oui, elle a encore de rêve. Voilà. Parce que je mangeais là. Et elle ne fait pas beaucoup d'efforts. Non, oui. Et elle fait le cocotier une fois par mois. Et c'est pas, hein? Coucou, Rabbi, elle fait le cocotier une fois tu vas m'en ah non, elle n'est pas pressée. Elle. Une fois le mois, pour moi, ça suffit. Non, non. C'est Tina Turner. Eh oui. Tina Turner, elle avait dit qu'il ne faut pas faire. Non, non, non. Là, si, si, elle avait dit, non. On s'entretient mieux quand on ne fait rien du tout. Non, non. Comment une fois le mois, quand même, pour enlever les toiles d'araignée? Exactement. Alors, c'est les toiles d'araignée. Bonjour. Elles sont en train de dresser la table. Ok, mettez le papier. Alors, voilà. Vous avez mis le papier. Voilà. Okay. Alors, les gens, là, comment allez-vous? Vous allez comment, là? On va faire un direct tout à l'heure. Hey. Moi, je ne me mélange pas avec ces directs, vous savez, non? Hey. Parce que je dois framponner. Hey. Est-ce que vous comprenez ça? Hey, bon, j'ai d'abord faim, il faut que je mange. Hey. Vous savez que moi je mange une fois la journée. Hey. Donc comme je suis descendu là, il faut que je mange. Voilà. Que je me sente bien. Et après, je vais mettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Mimi va sortir maintenant. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. N'est-ce pas? Hein? Donc, bipez les autres. Et Arlise va sortir à quelle heure? Arlise va s'en poser à la question à quelle heure? Mais tout de suite, je mange et je viens à vous. Comment? Je ne me mélange pas, c'est direct. Et qui est pas pour le flore, la douce. Je te dis. Mais il faut, non? C'est dimanche. C'est dimanche. Bravo. Quand on a bien mangé. Et Azel est assis là-bas, il ne fait pas. Quand on a bien mangé. Fais ma fin de house. Bien reçu Henri Matigui. Voilà. Quand on a bien mangé, Lesslia, hein? Voyez, non, mais moi, je ne mange pas ça. Je ne suis pas descendu pour ça. Il y a le cono, il y a. Voilà. Faut que je...
c'est les salades. Ah non, papa, alors que tu mangeais ça, oui, la salade. Mange. Non, non, il mange. Comme ça, en passant. Papa, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon. Ok, tu vas manger. Oui, maman, mange ça. Tu as goûté. C'est bon. Ok, on va manger. Je mets une cuillère comme ça. Comment on va servir. Une cuillère à... On va parler tout à l'heure des mariés. Là. Parce que nous, nous avons l'expérience. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons donner des conseils. Et pendant qu'on donne des conseils, on leur rappelle que vous ne connaissez rien. Et quand on ne connaît rien, on apprend. Hey. Comprenez, hein? On ne donne pas les conseils en caressant du sens du poil, non. On donne en framponnant correctement pour que tu ne reprennes plus les mêmes bêtises. Ok? Quand on a décidé de se marier, on doit se marier. Ou on reste célibataire, ou on se marie. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est mauvais. À nous aller tout à l'heure. Nous pas parler tout à l'heure. Nous pas discuter comme grande personne. Hein? Moi, ni trop beaucoup d'expérience. Comprenez, non? Nous, on a accumulé beaucoup d'expérience. On a accumulé dans le célibat. On a accumulé dans le mariage. On a accumulé dans. Comprenez, non? Donc, on peut donner des conseils. Comprenez? On peut donner des conseils. Et après, hein? On retrouve. Celle qu'on a tant cherchée. Donc, on a beaucoup de choses à dire. On a des choses. Et c'est bien, j'encourage les jeunes qui se marient. Mais mariez-vous bien. Pas à peu près. Et ne vous mariez pas pour les gens. Ne vous mariez pas pour vos familles. Ne vous mariez pas pour vos amis. Et ne vous mariez pas pour personne d'autre que l'être que vous avez en face de vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand vous vous mariez parce que vous aimez un être qui est en face de vous. Qui est votre femme. Qui est votre mec pour personne d'autre, ok? J'arrive. Et quand vous ne comprenez pas ça, nous avons le devoir de vous expliquer les choses parce que nous avons l'expérience, parce que nous avons du vécu. Hein? Avant que Facebook n'arrive, on prenait des conseils chez les anciens, on allait chez les anciens leur poser des questions. Il se passe ci, il se passe ça. La dernière fois, lors de mon dernier direct, je vous ai dit que l'église catholique, quand tu te mariais à l'église catholique, on t'envoyait à l'école pendant un an. C'est ça. Ok? Et le nom m'est revenu, il y a quelqu'un qui me l'a écrit, on appelait ça le SIGSA. Si c'est le SIGSA. Le SIGSA, quelque chose comme ça. On t'envoyait une année à l'école. La femme, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage, ce n'est pas les photos sur Facebook. Le mariage, ce n'est pas des amis, non? Normalement, quand on se marie, on n'a plus d'amis. On essaie de réduire son cercle d'amis. Quand on se marie, le vrai mariage, on réduit tout ça. Le mariage, ce n'est pas les photos à balancer, non, ça, ça vient après. Ça, c'est juste l'excroissance de la jouissance de son mariage, ou entre parenthèses, de la réussite, les photos et tout ça, non? Mais le mariage, c'est dedans. Et on ne se marie pas à deux ou à trois. On se marie. Non, on ne se marie pas à trois ou à quatre, on se marie à deux. Dans la famille, moi j'ai d'abord mangé. Et moi venir après, on va parler comme les vrais hommes. Hein? On entend ça? On mange d'abord. On se met faim. Merci Marie-Ange. Ben, je t'aime aussi très fort. Allez vous asseoir, on a vous en l'air. Maman. Vous voyez que quand je suis entouré de mes deux femmes comme ça. Les papas te donnent le verre. Hé, hey, Christine Reine. Christine Reine, ça vous fait. Je dois beaucoup le verre pour tout le monde. Beaucoup le verre pour tout le monde. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, pour elle. Non, c'est pour toi ou c'est pour tout le monde? Maman s'est dressé la table. Non, bravo maman. Attends, prends ça alors. Non, prends ça. Pas ça. Et pour qui encore? Maman et toi et maman. Et ça? Et qui encore? Maman. Voilà. Faut pas casser. Non, 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 maman. Comme ça, il va casser. Voilà. Voilà. C'est bon? Ok. Eh, hey, ça vous fait, Christine?
Francisca, Francisco, Francisca. C'est comment, non? C'est comment, non, ma petite soeur? La Chicago, là. La Chicago Girl. Vous voyez pourquoi j'aime pas faire les directs avec elle, non? Elle me dira manger à gauche, moi. Ma deuxième femme est là. Ma deuxième femme est là avec le matériel. Le matériel Banganté, Flow Chaps. Et ça, c'est du bonheur aussi, elle a depuis. La femme Banganté qui sait mettre son matériel en valeur. La femme Lana, comment elle est Banganté? Non, elle est Banganté. Ok. Elle est tout. Mais je comprends, elle est tout, elle est Bamoun même aussi. Voilà, elle est bien composée. Quoi. C'est qu'elle est c'est Bana. C'est pour ça qu'elle est faite comme ça, là. Elle a du Bana, elle a du Bamilique, du Banganté. Du Bamoun. Elle a du Bamoun. Voilà. Elle a tout ça, voilà. Ça ne va pas ça qu'on vous parle comme ça, là. Ah, oui. Elle a tout ce qu'il faut. Donc, Mamouna, de quoi dire, là? Elle est là. Elle a dit que mais, ma BS, mais elle est c'est chamaille. Elle dit qu'elle... Est-ce que quand je suis arrivé là, elle s'est manifestée? Elle a dit qu'elle s'en fout de toi. Fais le Congo ça. Mais alors, pourquoi vous me parlez d'elle alors? Je m'en fous d'elle. Elle dit que... Non. Je m'en fous non, d'elle. Non, elle dit que... Elle dit que quoi? Elle dit que... Sa jalousie là, elle ne garde pas ça là-bas. Non, faut... non. Elle amène sa jalousie là-bas. Tu vas garder ça là-bas. Elle dit que la vie reste sa vie et sa vie. Et qu'elle s'en fout de toi. Moi-même, je m'en fous de toi. Il y a quoi? Mouna be quoi dit? Wende be quoi dit? Na be quoi dit? Osengi. Osengi. Ouais. Aussi t'as pas la volable et Osengi. La vie qu'elle dit que. C'est ça la bonne fête au foyer. Ah, mais ça c'est ma vice-présidente de Bayern. Pauline Paluche. Ah, la vie comment ça va? Ça c'est le Ndap Bikoko. Ah, ouais, ça c'est la vice-présidente de Bayern. Comment va ma soeur? Mais bien sûr, hein. C'est un dimanche en famille. Mais la femme, si avec le manger, je n'arrive même pas, elle est là devant moi. Je vais vous la laisser. Moi, je fais mon direct après. Comprends pas que je veux parler, elle est là avec un plat de salade. Le gros bébé de notre. Qui a dit pour gros bébé? Bloquez-moi gros bébé, là, j'avais dit ça. J'avais dit ici que quelqu'un qui dit encore gros bébé, c'est direction assistée. Pas bon, direction assistée. Tu sais qu'elle ne peut jamais lâcher ça. Qu'est-ce direction bon assistée. Ouais, Palu, ça va, Mboye, ah ouais. Ça va très bien, on est là. On pousse, on met la cale, comme on dit au pays. Direction assistée, c'est la dernière fois, c'est le dernier avertissement. Bana. Voilà, Bana Banganté, attends. La Big vient lire, elle a écrit. Elle a dit quoi? Et c'est où là? Bana Banganté, Bamoun. Voilà, elle a tout ça. Mais, toi, ça, tout bien ça. Sûr. Ma paisie. Bien sûr. Comment? C'est pour ça qu'elle est comme elle est là. Quand tu la vois. Et alors, Bamoun veut nous dire que donne-le direct. Quand tu la vois. Non, on dit que le gros bébé de Maman Louise. Donc, qui a encore écrit ça? Maman Louise a dit que. Marie-Louise. Emma, tu avais elle a dit qu'elle a porté. Elle a dit que. Elle oui, là, ne le voyez pas, c'est mon gros bébé. Mais oui, ah oui, c'est vrai, ça sent de chez Marie-Louise. Elle dit que c'est elle qui porte. Elle dit qu'elle m'a purgé. Et que quand il est né, il était plus que blanc. Il était un truc là. Non. Lui, c'est mon gros bébé. Mm-hmm. Et la personne qui parle à mon gros bébé, je viens là-bas. Elle a pris de poing. Elle a pris. Vanessa et Vuna, comment vas-tu? Vanessa Evina, c'est une. Elle m'a demandé l'amitié, mais. Non, mais ça, c'est la famille. Ah ouais? Oh, oui. Comment, Vanessa Evina? Vanessa Evina, je m'excuse parce que je ne te connaissais pas, parce que j'ai dit. Non, Vanessa. Ah, non. Elle m'a demandé l'amitié, j'ai dit, hop, oh, allez, host, oh, je ne savais pas. Ah non, ça oui. C'est la bonne famille, ça. Tu vois, d'accord. Ouais, comment ma bigue est, non? Oui. Elle ne te connaît pas, elle n'accepte pas. Si j'avais écouté, on dit souvent d'écouter les grandes personnes. Ça, on dit d'écouter si j'avais écouté la femme si. Tu n'allais pas être dans la muse avec les petites personnes là. Je ne me serais pas associé au Bissondia. Ah, c'est bon. Voilà. Bissondia, c'est encore quoi? Bissondia, c'est la même chose. Pour éviter le sel, je mets que ça. Le Bissondia pousse partout.
Si j'avais écouté la Bible là, elle a les yeux même derrière la tête. Le flair. Elle m'a dit, mon petit frère. Doucement là-bas. Hey, voilà, voilà ta femme qui est là. La garde rapprochée, la bec, hein. Je croyais que tu étais ma personne quand tu dis que tu ne m'aimes plus. Donc, moi, je dois venir dire que quoi. On m'a déjà passé le message. Tu n'es plus ma personne. Il a fait le combo ça. Tu as dit ça avant que je n'arrive. Donc, comme tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi. Maintenant, si tu ne veux plus que je m'en fous de toi, écris ici que tu ne t'en fous pas de moi. Okay. Moi-même, je ne veux pas m'en foutre de toi. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Non, elle doit témoigner son amour aussi devant tout le monde. Vanessa et Vuna. Ah, non, quand la Bible ne connaît pas, elle est comme ça. Elle ne savait pas que c'était la famille. On va aller commencer. Alors attends. Mais ça, c'est la famille. C'est ça. Maintenant donc, que je connais, donc je peux. Voilà. Maman, tata, beaucoup de sagesse. Quelle recette encore? Non, la Bible a trop de sagesse. Je dis que si je l'avais écouté, parce que comme je suis toujours en train d'écouter la salle, qui me fait manger les bichonja tout le temps. Là. Elle avec elle, tu manges, tu vomis, le ventre gonfle, tu vomis. Tu dis encore, bon, moi aussi elle fait mon comme ça. Comme ça que tu me sabotes. On peut saboter sa femme comme ça. Hein, monsieur les hommes. Oh. On peut saboter. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon, amène la salade, la bite, non, la salade, non. Tu as mis le poisson? Ah bon? Ça, c'est bien. Je coupe, tata va couper, le poulet arrive. Toi, tu as salade, quoi, le poulet? La bite, mets là-bas. Tu n'aimes pas ça? Ah, c'est très bon. Quoi? Ça? Et va, alors, le poulet arrive. On mange au feu à mesure, il y a du riz, voilà la salade. Tu veux quoi? Donnez-moi, mettez les trucs de bâton ici, là. Les enfants avec les bâtons en Europe. Maman, qui est? Hein? Une mangeuse de bâton de manioc. Comment? Bravo! Ce sont les filles qui ont dressé la table, hein? Pas Azaël, c'est Johanna et Shiloh. Bravo! On vous avoir plein de cœur. Maman, papa t'appelle. Regarde ton plat, là. Bravo les jumelles. Allô? Bravo maman. Vous avez bien dressé la table. Bravo mes cœurs. De rien. Allez, les jumelles ont grandi. Sinon, je te mets ça. Où alors? Les jumelles ont grandi. Hein? Chaud. Qui a pris ça? Qui veut ça? Mais c'est les filles qui ont mis. C'est les filles. Attends. Mais c'est qui là? Johanna. Tu en as fini ça. Tu as fini le poulet si. Il y a le riz. Hein, Azaël? Le riz là, tu ne veux pas. Qui veut? La salade, si c'est la magie, je vous assure. C'est très bon. Je n'ai pas mangé le riz. Pas mangé le riz. Maman, voilà, le menu, ça apparaît. Je non, j'ai arrêté. On dit qu'il y a trop de sucre. Mais il y avait ici qui a blanc. On avait amené toi à Paris. On avait amené à Paris. C'était avec toi. Oui, on avait. C'est qu'on a laissé là quand on est là. On a tout bu. Non, toi-même, t'as vu. Et c'est pendant le live ici qu'on nous a expliqué que la boisson là. Il y a trop de sucre. Il y a trop de sucre dedans. Donc, j'ai dit. J'ai dit, tes copines ont dressé la table, maman, t'as dit ça. Maman, les copines. Le oui, c'est aussi une jumelle. Elle vous appelle les copines. Parce que c'est Régine qui a amené la Despé dans cette maison. Régine. Elle dit, ton histoire de Despé là, c'est fini. Là. Maman, j'ai vu du bonjour. Je veux la recette. Ok, maman, la recette, c'est... J'ai seulement mis... Tout le monde la Despé. Ah, c'est fini. J'ai seulement mis... Ça, c'est bon. Aïe, oignon, tu vois, non. Que la Despé n'a pas la concombre et tomates. Et comme... Comme assaisonnement, j'ai seulement mis ça. J'ai pas mis de sel. Quand je te montre ça, comme ça, tu peux ajouter ça là. Ça. Ça. On peut faire la capture. Il y a quinoa, il y a ça. Tu n'as pas besoin de mettre du sel. Il y
Bon, ça c'est des produits allemands, mais vous pouvez trouver ça partout. Bon, les trucs de Montsaré là-bas. Et tout ce que j'ai mis, un peu de vinaigre blanc, une cuillère à soupe, huile d'olive. Voilà, c'est tout. C'est vraiment. Ah oui, on a. Max, Bengon, assiste, tout ça comment? Mais chef, elle est où? Elle a, tu as fini le mariage. Hein? Je dis que je dois faire le mariage. Quoi? Non, elle était au mariage là-bas. Elle était non, au mariage. Elle même son propre mariage. Parce que écoute ce que ton ami personnel dit qu'il veut gâter ton mariage. Je dois gâter ça parce que. On ne peut pas l'occuper comme ça. Je te dis. Elle nous gêne. C'est pas normal. Lui, il est venu, il croit que c'est gratuit. Moi, on ne t'invite pas. Comment ça? Il faut venir, ma fifi. Lui, il croit que c'est gratuit. On doit t'inviter. Il est venu trouver un produit fini. Et... il se beurre seulement dans son. Je vais gâter ça. Écoute comment? Ce que ton petit frère, je vais ce que ton ça, ami dit, dit qu'il va gâter ça. Comment? C'est pas normal. Mm-hmm. La vie va tomber. Ici. Tu vas mélanger. Oui. Ne plus souffrir. C'est bon. Assieds-toi, assieds-toi. Pose là, je vais prendre. Pose, je vais chercher. Voilà. Je vais chercher le. Maintenant, mais non, tu n'es plus ma personne. Eh bien, c'est pas grave. Il y a un autre parti ici. Ça va, ça s'est bien passé hier au mariage. Tu n'es plus ma personne. Uh-huh. Écoute ce que Jean lui dit là-bas. Il dit que tu n'es pas. Non, 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 il veut garder ça. Le type là, il te fait quoi comme ça? Uh-huh. Il te fait seulement les positions grenouilles. Il te fait seulement quoi comme ça? Position grenouille. Que tu oublies la famille. Ah, il veut gâter ça. Papa. Oui. Ça, ça c'est bien. Ça, pardon. C'est bien. Papa, quoi? Oui, c'était. Oui, là aussi, c'était le mariage de papa. Mais j'ai dit à Tata que le mariage, là, on va gâter ça. Ah, qui maintenant, qui est mon ami personnel? Je ne suis pas ton ami personnel. Je ne suis pas ton ami personnel. Ma Yiki. Mayiki. Oui, c'est bon. Aussi, aussi. C'est-à-dire, je voulais, aussi, je ne sais pas quoi prendre. Aussi, les amis personnels. On est, comment on dit, bien ennemi maintenant. Hein, waouh, bien ennemi. Aussi, qui ami, fertig, ami. Fini. 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 Papa, pourquoi j'ai mis fini les amis? Ah, mais je vais suivre. Et bon, tiens, on savait faire les. Les tâches. C'est bon aussi. Acte 2. Acte. Ah, tu as demandé pour le mariage. Marthe te dit que acte 2, c'est tout à l'heure, jusqu'à 2h. Enlève alors, va mettre à la poubelle. Tu laves le mariage hier. Mais, Flor, comment tu dis qu'elle ne dérange pas? Qui dit qu'elle ne dérange pas? Flor dit que. Flor Charles dit que Marthe ne dérange pas. Est-ce que. Tu connais nos dérangements, c'est quoi? Garde ta position, non? Ah, c'est comment? C'est comment? Garde ta position, oh. Laisse Marthe là-bas avec sa position. Parce qu'elle dérange. Je ne sais pas quelle position le type là utilise. Je vais gâter ça. C'est pas normal. À la vôtre. Hein? Mm-hmm. Muriel Yalindor. Et maman, le vin. La jumelle a demandé quoi au Yap? Que pourquoi j'ai fini les amis? Ah, maman, tu verses aussi dans les questions. Mais non. Mais bien sûr, mais c'est toi qui as appuyé. Non. Essuie les mains, ça va aller. Maman. C'est bon. Voilà, pose ici. Ok, essuie alors. Tiens. Voilà. Tu as essuyé? Voilà. Vous voyez comment les femmes là savent déjà manger. Est-ce que vous avez dit bon appétit? Non, elle n'est pas prière. Ah, en plus, vous n'avez pas prié. Ah, en plus. Ah, et la honte de ça. En plus, vous n'avez pas prié. Eh bien oui, et vous avez commencé à manger. Mais tu sais, pas dit. Est-ce que c'est moi qui dois dire? Toi-même, tu sais prier, non? Allez, prie alors maintenant. Non. Qui va prier? Toi. C'est pas Azaël qui prie. Non, c'est toi.
Okay. Oui, papa, il dit papa, toi, tu Ok. Alors, on va prier, alors. Voilà. Mais quand on prie, on ne mange pas. Exactement. Toi, tu es en train de manger. Papa, c'est très drôle. Ok. Quand on prie, on ne mange pas. Azaël, tu finis de faire ce que tu as fait. Azaël, y'a Bethem, dépose d'abord. Allez. Amen. Amen. Et bénis le repas et que cette maison ne manque de rien au nom puissant de Jésus. Ah ah! Et dis alors, bénis le repas. Bénis le repas et bénis tout le monde, pas seulement toi. Dis alors. Tu ne dis pas. Toi? Mais je vais. Mais je vais un peu rigoler un peu. Elle prie, elle dit Seigneur, protège-moi. Et sa soeur dit non, faut pas te mentir, toi, faut dire tout le monde doit bénir tout le monde. Parce... J'ai deux grammes dans la vie. Elle dit comment tu peux dire que le Seigneur te protège seulement toi seul? Non, non, c'est pas comme ça. Dis que le Seigneur doit protéger tout le monde. Non, non, non. C'est beaucoup de choses dans le monde. Et deux femmes là. Non, comment tu peux dire que toi seul, le Seigneur doit protéger tout le monde. Et ta sœur va vous montrer. Ah, ça c'est beau ça. Les bébés grandissent déjà. Et ta sœur. Elle a raison, comme ça. Ma bébé, oui. Oui, j'aime le poulet. Tu as le poulet. C'est bon quand c'est chaud, on mange comme ça. Là. Et ta sœur, comme ça, t'as fait. Elle a raison. Sa jumelle voit comment les bénédictions passent. Elle ne veut pas passer à côté. Hein? Coucou, ma petite, la petite la lionne, c'est comment? Elle dit que Rao. Comment va ma fille là-bas? Ma petite fille. Ma petite fille, comment elle va? C'est que moi, je viens de rentrer du deuil. On va gérer beaucoup de choses. Mais en solo, on sait que moi, je gère pas sur Facebook. C'est l'amour qui règne en haut. Ah oui, amen, merci. Elle dit que. Elle discute, elle dit que. Yé. Comment ça se. Quoi ça? Elle dit que c'est le riz gras. C'est le riz gras. Les Israéliens disent que c'est le riz gras. Il y a trop de trucs dedans. Il y a trop des animaux dedans. Non, non, il y a du chou, il y a des carottes, il y a des aubergines dans le riz là. Il y a de quoi? Les gens lui disent que c'est trop de choses. Maman, un peu le beignet. Elle aime seulement, elle n'aime pas les légumes. C'est que. Maman, oui, ça va. Avec ça, comme ça, c'est bon. Non, là, c'est comme ça, moi. Moi, le poulet, la nature, c'est que quand c'est sec. Papa, comment dormir la nuit? Faut essayer le pain. Non, c'est bon. Ah, c'est trop bon. C'est bon, il n'y a pas trop de sel dedans. C'est bon, la bique. Vous avez pensé. Le plat de la bique. Moi, on mange la salade. Zéro compliment. Non, comment dormir la nuit? La nuit, hier. Tu as fait quoi? Non, comment dormir? Tu as dormi, mais après, tu as marché pour aller dans ta chambre. Moi aussi? Oui, tu as marché comme ça, oui. Moi aussi? Elle voulait entendre que tu apportes. Moi aussi. Azaret, elle dit va dormir. Tu dis non, laisse-moi. Non, non. Azaret, tu vas te coucher maintenant. N'est-ce pas, ma fille? Laisse-moi. Mes cheveux blancs qui sont baissés là, je cache ça. Je vous ai arrêté. Je laisse mes cheveux blancs, zéro teinture, j'assume. Ben, madame. Oh, ta fille, qui t'appelle le bâtiment? Non, laisse-moi. Ne me touche pas, laisse-moi. Chat, qui t'appelle le bâtiment? Comment, la lionne, ouais, elle te salue. Ah, la lionne est là. Ouais. Elle dit salut, maman, mon bâtiment à moi toute seule. La belle fille, la belle fille. La belle fille. Non, ta fille, elle est. Elle se cadre, elle s'assagit. Il y a mon neveu là. Mon neveu là.
On va parler de ça. Mais toi, tu aimes que les maigretés. Pardon, laisse ma fille. Laisse le dossier de ma fille comme ça. Là. Laisse la ma fille. La Lionne avait dit que les Camerounais, là, je ne veux plus. Si tu n'es pas maigreté, il y avait option de m'amener en bengue. Elle a raison. Elle a raison. Elle dit qu'elle a trop distribué gratuitement. Tu as raison, ma fille. Elle a dit maintenant un benguetaire. Hein. Benguetaire et avec option. Donc, on doit analyser tous les paramètres. Si ça ne donne pas. Tu manges plus le poulet, tu manges quoi après? Elle veut le poulet. Tu veux encore le poulet? Et ta soeur? Le poulet arrive. Et toi, tu veux quoi? Attends, non, tu prends ton mouchoir. Ah, mais je prends le poulet là, non? C'est quoi? Hein? Le poulet arrive. Non, je croyais que tu as non, j'ai déjà fait. Il y a qui? C'est qui ici? Tu ne connais pas ta fille. Hein? T'as déjà dit, Dieu, sinon ici. Tu veux les baigner. Maintenant, c'est Jojo. Maintenant, c'est Johanna. Attention à ton verre, maman, pose bien ton verre. Il va se casser. Non, ton papa dit que c'est là qu'il appelle seulement bébé. Parce que. Papa appelle toujours bébé aussi. Azayel, maman m'appelle maman. Ah. Tu es ma maman. La lionne est morte de rire. Et papa, pourquoi tu m'appelles bébé? Papa est maintenant Johanna. Voilà. Je suis pas un bébé. Ok. Maman, c'est toi, bébé. Ok, à partir de maintenant, je vais t'appeler ce nom de Johanna. Ok, sinon. Qui veut les baies là? Dans le Johanna. La Lionne a dit que. Elle ne donne pas les baies, donne à Johanna. Maman, elle que c'est comment? La Lionne a trop donné gratuitement. Maintenant, c'est avec option. Benguetter avec option. Pas seulement Benguetter que tu viens en vacances là, tu crois que tu vas en profiter. Non, non. Non. Faut m'amener. Non, avec option. Tu as raison. Tu as papa complètement raison. Tu as raison. Papa, tu peux les jus. Oui, vous mangez. Oui, mange là-bas. Après, tu vas pas. Elle ne peut pas finir le poulet. Là. Le jus, non. Quand chacun a bien mangé. Dans le poulet, après, papa. On va manger son poulet. Quand chacun a bien mangé, et après, on va servir le jus. Toi, la douce, quand il y a de l'amour, elle dit comme ma fille. Quand il a l'amour dans maman, une famille, on n'a pas besoin de. Azaël mange. Eh, Azaël le bobolo. Papa, les trois, même les jumelles. Touche pas ici. Tu donnes le bobolo avec le ketchup. Donc. C'est bon. Les enfants, l'Europe. Le bobolo avec tout. Bien qu'à manger le bâton, le bobolo avec le sandwich. T'as le piment? Pourquoi tu déposes, tu ne veux plus manger, donne-moi le poulet là. Non. Mais tu as mis le ketchup, tu ne manges plus. Tu mets le ketchup. Bon appétit, ma tu souhaites bon appétit. T'es mal bien, non? Aka. Kelouwe. Oui. Comment dit que va là-bas? Kelouwe. Kelouwe. Aka. Maman. Je t'ai dit que. Maman, je t'ai dit que maintenant, moi-même, je te bois le bidou. Ma bomejo. Ma bomejo. Avec toi. Oh, oh. On est allez, allez, quoi, pardon. Papa, pourquoi t'as bonjour, madame et son. On est plus amis. Papa, je veux mentir. Le père. C'est très bon. Ah bon? Le père, maman, tu as dû être très malade. Ah bon, maman? Hein? Ouais, elle assiste. Mais et pourquoi on a mis sa photo? Non, je n'ai pas vu. Papa m'a fini. Tu veux quoi, chérie, le bâton? Non, plus. Non, c'est elle. Ah bon, maman? Ouais. Qu'est-ce qu'il... Pardon. Papa. Maman, je n'ai pas d'informations. Tu veux encore quoi? Il y a quoi? Ouais. Explique-nous alors, s'il te plaît. Tu veux encore manger. Prends le poulet alors. Mon bébé fleur la douce, merci. Babi, découpe un peu le poulet pour voir là, s'il te plaît. Maman. Mais, qui veut? Elle. Toi? Elle ne peut pas finir. Je ne suis pas au courant, maman. Le reste, tu peux me donner. Le reste? Le reste, moi, je mange. Le poulet arrive. Tu veux encore? On ne peut pas finir. Donne la tête. C'est bon, hein. Voilà, merci. Vous êtes dans le piment, papa. Merci. Si, j'ai appris que Aïe doit être très malade. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Il est malade. Quoi, depuis. Ouais. On l'a fait encore bien soigné. On est plus mort.
Il est malade depuis un bon moment. Ouais, que je vois sur Facebook là, mais. Mais ils ont même mis ça sur Facebook. Oui. Ah, il est malade, hein. Oui. On le voit. Il est à l'hôpital. Étant presque à moitié nu. C'est pas ouais. 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 Voilà, voilà alors, les histoires de Facebook. Tiens, c'est sûr que c'est quelqu'un qui lui a rendu visite à l'hôpital qui a filmé ça. Merci. Là, même la photo, là, il n'est pas à l'hôpital. Il est assis comme s'il était assis chez lui. Allez, c'est facile. C'est vrai qu'il est assez malade depuis. Il rechute seulement. Oh, merci, mon Dieu. On l'a merci, pas encore. Merci, Pécilie, ma vie. Là, la photo que j'ai vue, là, c'est comme si c'était l'enfant. Ah bon, hein? J'ai retenu Bobolo qui est mais les temps ne vont pas. Ouais. Et peut-être que ça n'a pas. Mais on soigne sa récidive. Il faut déjà savoir ce qu'il a. C'est ça, parce qu'il a son histoire, sa récidive. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. On a même déjà fait, je crois, une quête pour lui quand ça a commencé cette histoire. C'est Maître Ntolo qui l'a ramené hier à l'hôpital. Depuis qu'on parle là, justement, hier qu'on l'a amené à l'hôpital. Ouais. Et les artistes, il y a des sons là. Ils racontent d'autres choses qui n'ont rien à voir avec. Ils ne s'occupent pas de leurs frères. Quand vous-même les artistes, coup de gueule, vous ne parlez pas de vos frères. Qui va parler de ça? Ouais. Hein? Vous êtes là, on dit frère, quand ça va bien. Hein? Vous avez un aîné qui est malade, vous êtes là, vous baladez sur la toile à raconter des conneries. Une icône comme ça, vous ne parlez pas. Vous croyez que qui va parler à votre place? Mais faisons donc du chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein, dans tous les cas, on va tous mourir un jour. Mais je veux dire, quand vous réclamez les droits d'auteur, voilà votre frère qui est malade. On dit qu'il ne voulait pas savoir aux gens qui souffraient. Encore? Tu as déjà fini ton nom? Non, c'est moi. En tout cas, je ne voulais pas que les gens sachent qu'ils souffrent. Je ne voulais pas que les gens sachent qu'ils souffrent. Oh, mais c'est quelqu'un qui est digne. Hein? Quand tu le vois même, ce n'est pas le style qui demande. Qui... Ouais. Il est digne. Mais là, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Hein? Au lieu que les artistes ciel sont, bleu. Ils sont je là t'aime aussi. À faire des conneries là. Le jour que moi-même je vais vous ramasser, vous les artistes là. C'est ce jour-là qu'on va faire le vrai divorce. Parce qu'à un moment donné, vous devez vous comporter. Ah, oui. Vous n'êtes pas là pour crier les droits d'auteur. Vous avez un frère qui est malade, vous n'en parlez pas. Et quand je parle des artistes, je parle de tous les artistes. Là. On parle d'artistes. Mais. On n'est jamais mieux supporté que par sa famille. Mmh. Les artistes du Bikoutsi, là, vous êtes où? On dit que c'est lui qui ne voulait pas. On dit que le ça, c'est une excuse. On quand, ne voulait pas, mais pourquoi on vient d'exposer si je fais ça? Quand ça arrive à un niveau, même si tu ne veux pas, eh ben, on ne va pas te laisser mourir, il faut qu'on en parle. Parce que tu as besoin d'aide. Oui. C'est bon, maintenant, va là, j'amène ton plan. Il faut bien finir. Tu n'as plus faim, c'est bon. Moi, j'ai toujours dit ça. On ne peut être supporté que mieux que par sa famille. Ceux qui viennent autour, là, c'est juste pour ajouter. Mais on doit d'abord sa famille. Vous êtes où? On vous voit sur la toile. Personne ne parle de ça. Maintenant, vous voulez prendre l'excuse qu'il a dit. Alors, vous êtes comment on appelle ça? On va vous accuser de complicité, comment on appelle ça? Je ne sais pas, d'assassinat au domicile, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas voir quelqu'un mourir et dire qu'il a non dit que non assistant en personne en danger, merci la vie. Ouais. C'est ça? Je ne peux pas voir quelqu'un mourir et dire qu'il avait dit que. Comment? Il avait dit que quoi? Merci. Parfois, quand ils sont inconscients. Hein? Ben voilà. Inconscients. Chilo, viens ici. Allez, viens. Viens, Azel est là-bas. Tu fermes la porte. On vous voit déambuler. Là. Ferme la porte. Ok, tu viens. Il veut aussi la. Non, c'est pour les conneries, on vous voit. De toute façon, moi, j'avais dit que. Maman, tiens. Plus jamais je vais faloter pour un artiste. Maman. Vous êtes des ingrats. Maman. Vous êtes d'une ingratitude caractérisée. Donc, c'est mon plat qui est devenu votre poubelle, quoi. Tu as fini, voilà, les mères. Tu veux pas ça. Maman, t'as pas mangé. Non, j'ai pas encore mangé. Moi, un artiste ne verra plus jamais mes enfants. Jamais. Commencez à manger. Passe comme ça. Passe comme ça, maman. Passe comme ça. Lève-toi. Non, vas-y. Vas-y, allons. Et là, vous ne revenez plus. Hein? Oui. Ah, bon Dieu. Non.
maintenant vous laissez la table. Et chacun lave son plat. Tu laisses d'abord ta soeur laver. Chacun lave son plat. Ok. Chacun lave son plat, il se dépose. C'est comme ça qu'on fait. Comme ça, il y aura moins de travail après. Non. Mais oui, parce que maman ne va pas, maman ne peut pas travailler seule après. Après, là, tout le monde va être fatigué. Tout le monde peut travailler. Chacun lave bien son plat, bien. Je ne veux pas voir d'huile. Chacun fatigué aussi, maman. Oui, tout le monde. Oui, tout le monde va travailler. Tu dois bien frotter, maman. Maman, tout le monde t'a dit, toi, tu dois aussi faire. Mais moi aussi, je vais laver mon plat. Et papa aussi. Oui, tout le monde. Mais papa ne peut pas. Pourquoi papa ne peut pas? Il ne peut pas travailler parce qu'il n'est pas encore grand. Papa travaille à travers. Donc, papa ne veut pas laver son plat. Non. Pourquoi non? Papa. Your daddy. Comment on dit laver le plat en anglais? Clean your plate. Hein? Clean your plate. Your daddy can clean your plate, c'est ça? Hein? On dit quoi? Hein? Joanna, je parle avec Joanna. Oui. On dit quoi? Clean your plate. Plate. Clean your plate. Plaid, hein? Plaid. Ok. Plaid. Maman, papa ne veut pas ranger son plat. Clean your plate. Clean your plate. Maman, papa ne veut pas ranger son plat. Papa va ranger. Papa, il est dit que tu vas arranger. Attention, bravo Joanna, tu l'as super bien ton plat. Maman, venez, tu vas baisser l'eau. Attention, maman, l'eau va aller partout. Voilà, comme ça. Tu vas te prendre derrière. Maman, tu peux manger. Maman, elle finit après. Non, ce n'est pas toi. Après, c'est elle. Chacun à son tour. Bravo, Joanna. Chilo lave son plat. Après, Azael lave son plat. C'est bon avec l'eau comme ça. Monica, là, tu maman, mets là-bas. Il y a le savon, ça suffit. C'est bon, laisse le plat là-bas. Tu laves ton plat. Comme ça, en bas. Mais tu dois attraper ton plat de l'autre côté. Beurk. Oui, oui, beurk. Quand maman lave souvent, c'est aussi beurk. Donc tu dois laver. Yeah. Des enfants en Europe. Maman, si tu n'attrapes pas comme ça, là, tu vas mourir de travail. Maintenant, quand je fais le ménage, comme aujourd'hui, là, je donne chacune des parties ton coin. Chacun prend là-bas. Sinon, tu vas mourir de travail, ça en Europe. Hein. Oui, maman. Oui, c'est ça, attention. Tu rinces l'autre côté aussi. Ça, c'est bien lavé, ça. Il n'y a pas d'huile. Regarde, il y a encore une petite tache ici. Regarde, il y a ton bâton là, il faut bien frotter. C'est pas le bâton. C'est quoi? Le poulet. Le poulet, ok. Et maman, il est dit que oui. Papa, il est dit que maman arrange ton plat. Papa a dit que c'est moi. Oui. Tu es sûr? Oui. Voilà, tu as vu, tu n'avais pas lavé le derrière. Partout, 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 maman. Sinon, l'huile va rester. Voilà. Bravo. Et tu as laissé tes couverts, ça. Tu vas prendre tes couverts et tu laves. Et le couvert. Tu dois laver vos couverts. Attends, elle finit. Tu mets un peu de savon. Baba, il y a encore le louis. Chacun lave son verre. Il n'y a plus du chacun. Un peu de liquide vaisselle. Ça, c'est petit. Non, c'est beaucoup. Alors, t'as. Arrête ça, quitte-la. Tu n'as même pas honte. Tu es l'aîné, hein? Pas honte de te comporter comme ça.
quand tu vois tes petites soeurs faire, tu dois les encourager en tant que grand frère. Maman, attention, quand tu laves, tu dois rester comme ça. Et tu mets de l'eau. Parce que sinon, si ça se casse, là, c'est fini. Maintenant, tu déposes tu déposes ça, c'est déjà propre. Tu rinces. Tu as bien lavé. Maintenant, tu ouvres. Les verres, tu as un peu d'eau tiède, maman. Comme ça, ça va bien briller. C'est bon, alors, tu fais comme ça, maman. Ouvre. Il y a le savon parce que tu n'arrêtes pas bien. Tu fais comme ça. Tu vas bien avec. Voilà, et tu poses comme ça. C'est bon, donne à ta soeur. Rince tes mains et tu vas mettre tes... Coco. Maman, il y a beaucoup de savon. Coco de chaleur. Oh, maman, c'est comment? Maman, il y a beaucoup de savon. Oui, c'est ta soeur. C'est Ghana, il est libre. C'est bien. Ah oui, maman. Hein. Ils sont des femmes. Il faut cuisiner tous 6 ans la mère. Elle doit. Qui suis 6 ans? Maman, passe ta commande. Maman Elisabeth, passe la commande. J'ai l'assaisonnement, je vends ça. Passe ta commande, je te livre. Je te livre partout. Mais bon, maman, tu vas casser. Ne joue plus avec, ne joue pas avec la mousse. Tu rinces. Dépose ça. Dépose la base. Elle va utiliser ça. Non, ne rince pas. Azaï va être. Voilà, c'est bon. Tu poses là-bas, tu laisses Azaï faire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bravo les filles. Comme ça, quand on va se lever tout à l'heure, il n'y aura plus trop de travail. Azaï, tu prends et ton verre et tes couverts, tu les laves. Lui, les francs, c'est trop dur. Ça encore. J'aime quand le poulet sec, 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 sec. Moi, j'aime quand c'est moelleux. Vincent, le sachet de bongo, Vincent, le sachet de piment, voilà, de poisson, les condiments de poisson et les condiments de comment on dit ça, de viande, c'est 25 euros. C'est 25 euros. Vincent, côté. Oui. Donc, comme les gens voulaient manger le. Les gens, il n'a pas encore mangé comme il faut. Ça vient. Lui, il est quand c'est bon. Il a mangé le Nkono. Le Nkono et tous les. Tous les Mutumba. Les Mutumba. Ah non, moi, c'est. Un verre bleu. Un verre bassis. Un verre bassis. Pas un loup. Mais qui? Parce que les Mutumba ne sont pas les vrais bassins. Pas un loup. Les vrais bassins, c'est les Mutumba. Tu es en train de me filmer là. Et si je suis dans une mauvaise position, il fait comment? Ça va où? Monsieur? Je t'ai dédié un match, non? Nous, on boit dans les verres comme ça. Quoi? Baissez la télé. Regardez, comme Marie a dit la dernière fois, il y a une caméra n'a pas besoin. Il y a des caméras. Ici, santé ici. Marie, elle était fatiguée. Elle a parlé, elle ne savait plus quoi dire. Et elle est était toujours là comme ça. Il y a une caméra, il y en a un besoin. Non, Marie, donne-moi le micro. Tu veux parler? Donne-moi le micro.
Marie, le piment cancan. Les profils ont dit qu'on va lui offrir. Elle a trop de femmes maintenant. Ils ont dit qu'on va lui offrir. Depuis là, je vois qu'elle dit Maman Louise. Ah. C'est pour ça qu'elle dit que Maman Louise. Après, elle dit, okay, c'est Marie Louise. Ils ont même décidé de lui ouvrir un profil Facebook. elle est intéressante. D'où sort le nom de groupe bébé, ben voilà. Mais oui, elle t'a purgé, elle a fait ceci, et elle a raison. Hein. C'est nous-mêmes, quand je l'ai donné le biberon à Orphée, elle donne le biberon à Orphée comme ça, après elle me prend. Ah là là. Après, Jean lui va faire son direct. Toi, tu Marie, le direct. Marie, elle me dit que moi-même, sa grande sœur, je n'ai même pas encore 70 ans, vous parlez de quoi? Un monsieur qui pouvait être mon fils. Dis toi, tu vas répondre aux sorciers. Je te dis. C'est pas que la sorcellerie, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a un vieux, il a 65 ans. Ok. Ok. Et tu me veux boire l'alcool. Pourtant, j'ai mis alcool hors mon régime. C'est juste une poignée, un petit truc. Voilà ton verre. Mets de pistache et bon bobolo. Est-ce que j'arrive à tu vois le bâton? Je n'aime pas du tout. Je mange son plan, je n'aime pas du tout. J'aime bien d'où. C'est elle qui aime le bâton. Elle te dit. Moi, je mange aussi comme ça. Le bâton et moi. Son premier show Yaoundé, elle l'a contaminé. Moi, j'avais un show Yaoundé. Tu le connais. Comme tu parlais déjà là. Tu le connais, le show Yaoundé là. Ton show Yaoundé là. Moi, j'avais un show Yaoundé. C'est lui qui est passé sur les Yaoundé. Il peut te contaminer. Elle aime trop le bâton. C'est toi qui étais chez les Zéondé. Ils ont dit quoi là-bas? Les Zéondé ont dit que les manveules. Manveules. On est manveules. Et je leur ai expliqué que vous avez même les veules chez vous aussi. Voilà, voilà, vers le riz. Il y a les veules chez vous, non? Les bisorsolos, c'est les veules, non? Non, 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 c'est les veules. C'est la même, ça s'écrit pareil. Veules. C'est les Zéondé. C'est les veuleux, les gens de... Ça s'écrit pareil. Vous avez les veuleux sur vous. Un veuleux et un veuleux. C'est deux choses différentes. Nous, ça devait être mon deux. La même chose. Non, non. C'est un veuleux. C'est écrit peut-être pareil, bon. Mais la prononciation est différente. Parce que un veuleux et un veuleux. On est tous les veuleux et les veuleux. Non, non. Ma nouvelle. Et ma nouvelle, non, non. Ouais. Ma mère disait souvent, mon petit frère Nicolas, que tu marches avec la sacoche et le parapluie comme ma nouvelle. Donc c'est ma nouvelle, qui ma nouvelle de chez vous. Non, je t'ai dit, maman, tu as tout compris. Tu marches avec toujours le parapluie. Même si non, mais ma femme marche avec le parapluie. Le parapluie et le sac de tout le Ils ont dit qu'ils marchent avec les timbres, oui, mais ça. Dit que le bassin a toujours le thème. Ça, c'est le poisson. Hein. Le poisson. Ok, j'ai dit qu'un. Ça, c'est le poisson. Jean lui a raison. Le riz là. Quand on mange, c'est quoi? Il y a les animaux dedans. Il y a tout dedans. C'est le. Et ça, c'est le poulet qui est dit. Ouais, frère, il y a maman. Ah, je brosse le poulet. Tu ne peux même pas essayer de manger. Ouais, frère. J'ai essayé, ça c'est trop dur. Marista, elle sait que vraiment, je ne sais pas comment elle a fait. T'as le poulet. Oh bon. Yes. Le poulet du village. Oh ouais. Ah bon. La poule. Mais tout le monde. Mais c'est long. Et là, ah. La médira ici, maman a mis. La vraie poule du village. J'ai amené ça au Cameroun. C'est alors plus dur. Hey, hey, hey. La poule du village. Hey. Mais tout à l'heure, pourquoi pas venir? On fait comment? C'est pour ça qu'on m'a légalisé. On m'a légalisé, Mamoun. Donc ne baisse pas les bras.
a déjà dit que je dois, attraper mon mari. Elle n'a déjà. Elle ne va pas. Elle dit que Adèle est pas attrapée. On contrôle un vieux papa. Fini les années où on allait au WC avec les téléphones. Franchement. Maintenant là, on est libre comme l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Et Alain est parti où? Il dit que Jean lui avait dit. Mais moi, je dois travailler ça. Parce que là, je ne suis pas encore à ce niveau. Votre réponse. Merci Alice. Ah, mais oui. C'est tout ça parce que la première fois, il est venu me voir. Pourquoi vous voulez blague? Comment ça, ma petite soeur? Il disait ça tout le temps. Il t'a dit. Notre rendez-vous là. Il avait trouvé un festin. Il avait tout. Il dit que maintenant je ne reste plus. Et poulet au téléphone. Et coco. Et poisson brésil. Et il y avait tout sur la table. Donc tout ça là, le gars a dit que ici là je vais aller où? Une femme qui sait recevoir les gens. Une femme qui est comme ça. Une femme qui a la crème. On m'a amené devant les gens. Voilà. 10 ans bientôt. Dans quelques mois là, 10 ans. La Black Beauty. 10 ans de mariage bientôt. 10 ans de mariage. Okay. 10 ans bientôt. 10 ans. Mariage que on t'a. Et je suis encore là. Et c'est ça que vous venez aller pour les m'enlever. Hey, il y a beau. Hey, Yahweh. Qui dit que ce soit Yahweh? Je vous regarde. J'ai commencé à marcher avec le bâton de baseball. Quand elle te voit dans la tête, elle te dit, bravo ma gueule, c'est chic. N'est-ce pas? En tout cas, 10 ans bientôt, préparez-vous. Préparez-vous. Maintenant, les fêtes, c'est avec amour. On invite pour inviter. Quand tu as ta chose, tu invites vraiment ton cercle. C'est fini le roulou, yara, yara, yara. Mettre une porte. Non, c'est fini ça. Je ne peux plus faire ça. Merci, Black Beauty. Moi, j'ai de... Hé, maman. Je te suis derrière. On ouvre les merci, trucs. Maïlis. Tu as ta bombe aussi, hein. Il y a une Maïlis, sera ici dans cette maison. L'une des jumelles s'appelle Maïlis. Maïlis. Donc, tu as une jumelle ici qui a ton prénom. Azaël, arrête là-haut. Ouh, très. Maman de Sateba, avec très. Il est en train de jouer au ballon. Là. Très, très, très même. On ne mélange plus, c'est fini. C'était avant. C'était à ses 50 ans. On avait fêté ses 50 ans. Depuis ce jour-là, qui avait dit que stop. C'était à ses 50 ans, non. Mais c'était quand c'était... C'était le melting pot. Oui, mais c'était... Mais bon, on s'est bien amusé, mais... c'est fini. Maman Rose de Clé est saute. La maison, non, c'est fini. C'était avant. C'est pour ça que je suis... Maman, tu es une reine. Et lui, Jean, lui, maintenant, il boit tout sauf eau. Si, je bois beaucoup. Mais quand je mange, comment dire, il boit du vin. Le rouge, pas ça. Ah bon? Ça, on le boit quand on dort. C'est l'apéro. Ok, les mamans, je vais vous laisser. On va faire. On se prend après le pape. Blanche, tu dis qu'avec raison, maman. L'homme est très mauvais, je vous assure. Père à son âme, l'homme est très mauvais. Il y a une maman aux États-Unis, je vais vous raconter cette histoire-là. Elle m'appelle. Quand il y avait les trucs qui chauffaient là, elle pleure. Elle m'avait même dit, maman, je ne t'ai jamais vu. Elle pleure. J'ai dit, ne pleure pas. Ça, tu ne peux pas te soigner. J'ai dit à la maman, ne pleure pas. Tu aurais aimé qu'on te vienne te dire que maman a été empoisonnée quelque part. Elle me dit non. J'ai dit, mais voilà, quand le Seigneur t'épargne la mort et te laisse, comment on dit ça? La possibilité de vivre. De vivre. Tu rends gloire à Dieu. Maintenant, les insultes, les ceci là. Rien à foutre.
ce sont les bénédictions qui vont venir plus tard. La femme là, elle pleut. Je dis qu'elle habite cachot de la. Moi, ah oui? Vraiment, ouais, maman. Quand j'ai parlé comme ça, la femme là est restée comme ça. Elle me dit, tu as raison. Mais tu vois, c'est maman qu'on pourrait vous annoncer. Mais si c'est l'humiliation comme ça, là, c'est rien. Parce que le Seigneur m'a épargné d'un poison. Mais pas possible. Mes enfants, ma maison a été épargnée. Je rends gloire à Dieu. Je ne pleure pas. Et c'est ça qui me sauve, maman Cécile. Sylviane, c'est ça qui m'a sauvée. Ah, j'ai compris ça. Oh. C'est ça qui m'a sauvée. Donc, du coup, parfois, quand les choses nous arrivent, on regarde là, on ne voit pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Il te pargne d'un. Donc, le Seigneur m'a épargné. Il m'a protégé. Il a protégé ma famille. J'étais en sécurité avec mon Dieu. Donc, le reste là, ce n'est que. Ce n'est que du. Vous avez dit quoi? Merci. Ce n'est que du waya waya you. Papa à toi. Parce que quand le Seigneur te protège comme ça là, c'est qu'on avait vécu là 6 mois ou 8 mois. Ah lui, elle est toujours là. Tu es Thomas, non? Oui. Et écoute alors, elle a dit tu es Thomas, est-ce que tu voulais l'écouter? Je t'assure, ma soeur. Ma soeur Anne, tu as raison. Ma grande soeur, tu as raison jusqu'à. Oui. Mais il fallait aussi que ça arrive comme ça. Rien n'est pour rien. Tout ce qui arrive, t'arrive, c'est le Seigneur qui permet ça. Parce qu'à travers cette salle-là, il y a beaucoup de gens qui se sont assagis. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le bon et le pour. Ça a sauvé beaucoup de gens. Donc rien, il fallait ça, l'humiliation là. Alors aussi ça. Rien n'est pour rien, sur terre. Monsieur Azahel, s'il te plaît, apporte mon téléphone qui est en haut. Les deux. Apporte les deux téléphones. Donc, les choses là. Likez la vidéo. Si vous n'avez pas liké, on est là 300, 400 personnes, vous ne likez pas. Après, je me trouve, il y a seulement 50 personnes qui ont liké la vidéo. Likez la vidéo et partagez. Mais maman de Satéba, c'est vrai. Quand quelque chose t'arrive, on est en train de t'humilier quelque part. Dis-toi que le Seigneur t'a épargné de quelque chose de plus grave que l'humiliation que tu es en train de traverser. Je vous assure. Quel voilà. Tu veux faire, là? Non, c'est ça. Tu veux faire le lit? Demain? Non. Mardi. Madame, j'espère que tu dois aller au Cameroun là. Ah, ça va aller un peu. Au 27, normalement. Donc, pourquoi on n'a pas changé? Non, c'est ça. Et la maman là, elle est restée. Jusqu'aujourd'hui, elle me dit. Oui, en lui, jusqu'aujourd'hui, la maman là. J'avais le problème, c'est qu'elle allait acheter. Toi, tu es un visionnaire. Je dis, c'est ça. Comme ça, quand tu es avec quelqu'un. Non. Ben tu es avec la personne avec un seul cœur. Parce que ça va te sauver. Dans une semaine, si tu es avec une personne, tu as un peu dedans, un peu derrière. Ça va te caler au cou. Parce que tu donnes l'espace à l'ennemi de te détruire, de te faire du mal. Mais quand tu avais un cœur pur, parce que vraiment, si quand tu avais un cœur pur, le Seigneur te protège, te parle. Qu'est-ce que tu sors de. Tout plein de l'ennemi. Tu peux pas le faire. Ça tombe à gauche. Non, tu ne sais pas combien de fois les gens qui étaient autour de toi ont essayé de te faire certaines choses. Ça n'a pas donné. 200 parce que le Seigneur t'a épargné. Ah, tu veux te débarrasser ça. Tu ne sais pas combien de fois le Seigneur t'a protégé. Je vais garder 800. Et peut-être poison. Mais toutes ces femmes-là sont les gens qui vont marabout. Le Seigneur t'a protégé. Azahel, assieds-toi. J'ai des clients, mais bon, pour les voir. Les enfants. Ils sont mon mari, ma maison. Je rends gloire. Dans les insultes, c'est. Il y avait 2 semaines, on m'a arrivé 1 semaine. Ok, maman Madeleine. Ouais, c'était pour ton adolescent. C'est amistant. Et on m'a arrivé 1 semaine là pour. Non, soyons. Le deuil de Bahala. Je suis parti. Quand tu n'aimes pas une personne, ne n'approche pas la personne. Mais quand tu aimes une personne. Non, tu ne le sais pas. Plus jamais. Mais j'ai un pied devant, un pied derrière ma soeur. Un pied devant là. Tu laisses l'ouverture à Satan d'entrer et de lui faire du mal.
Tu vois que ton tour là. Amen, maman. Tu dis ça chaque fois. Amen. Et après, c'est à la moment où tu as les mêmes pour que le Seigneur te protège. Parce que aussi, ce Dieu, parce que tu ne peux pas dire Dieu, quand toi-même, tu ne contribues pas à cela. Que toi-même, tu es là. Tu ne dors pas la nuit. Tu comprends comment on doit tuer quelqu'un, on doit faire ceci, on doit faire du mal, on doit faire ça. Et toi, tu attends la protection divine, ça ne va pas. Donc, il donne. Toi-même, tu dois être l'exemple de ce que tu demandes à ton... Déjà malade, j'ai appelé à ton sauveur là-haut. Tu dois être l'exemple de la personne. De ta prière que tu demandes. Toi-même, montre le bon exemple. Sans pas aller te chercher partout, ils ne vont pas te trouver parce que tu es là à protéger. Merci, maman des filles. Merci, Sylvia. Merci, maman de m'aider. Les gens avaient déjà acheté des pains et tout. C'est ça. Donc, si toi, tu fais du mal aux autres, et après, Seigneur, je ne veux pas... Non, ça va t'attraper. Mais ça va t'attraper. Mais arrange-toi à avoir les mêmes propres. Arrange-toi à être vraiment... Mais, tu dois... mais oui, maman, non, pas de ça. C'est ça, tu fais attention. Tu ne peux pas t'ouvrir. Non, tu ne t'ouvres pas. Si c'était le cas, c'est que je ne respire pas, maman. Heureusement, tu t'ouvres pas. Tu donnes la limite. Tu mets la limite. Relation face, ça reste relation Facebook. Ta vie privée, hein? C'est ta vie privée. Donc, tu fais la part des choses. C'est le poids. C'est ce qui m'a sauvé. Parce que j'ai fait. La seule chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir ma maison. J'ai dit le mais Dieu. Le reste, il a dit que privé, c'est pas c'était le vraiment Dieu. Privé. Si, c'est mais sinon, c'est resté que Facebook. Non, c'est pas le Dieu. C'est ça qui m'a sauvé. D'accord. C'est le 1. Ok, maman, Sylviane, tu me dis ça à chaque fois. Non, ma belle sœur ne s'appelle pas Sylviane, c'est pas rien que c'est. Non, non, c'est pas elle. Si tu fais ça quand tu me donnes. Non, c'est ça. Ok, les mamans, likez la vidéo, partagez. Bisous. J'ai toujours aimé ta manière d'être. Merci beaucoup, Léna. Merci, ma chérie, c'est très gentil. Azaël, arrête. Merci. Bonsoir maman, s'il te plaît, demande au père à quelle heure. Vous vous frottez déjà les mains, mamma mia. Hey. Ouais, que. Il se frotte déjà les mains, ils seront assis. Préparez les pop-corn, il arrive. Préparez les pop-corn. Non, elle est bien là, Dior, la, elle est bien là avec son pop-corn. Vas-y, va vous doser la main. Ok. Préparez les popcorn. Et j'ai pris la peine de lire son commentaire. Ça va venir, promis. Merci, ma soeur. Merci. Ce sera avec un grand plaisir. Anne-Louise, BF dit à quelle heure. Anne-Louise. Elle est au taquet. Anne-Louise. Yeah. Mais oui, tu as raison. Hein. Parfois, il dit qu'il fait après, il ne fait pas. Non, là, il est assis, là, il va faire. Qu'est-ce que ton pâté ne revient? Non, jamais. Non. Bon, le pâté ne revient plus avec les... J'avais eu ma dose, alors que je n'ouvrais pas ma porte. Mais oui, c'est ça, maman. Anne-Louise, mais oui, parce que je te dis, mon petit frère, parfois, il dit qu'il fait après, il ne fait pas. Moi-même, je suis là à côté. Je vais appuyer, se déranger. C'est ça, Rose de Claire, c'est vrai en plus. Le monde est très méchant. Ouais. Mais on ne va pas ouvrir la porte au blanc. On va ouvrir à qui? Au blanc. La coiffure, tu vas bien. Ah ouais? Tu as définitivement opté pour ça. Hein? Ouais, oui. Tu avais dit ça non plus. Oui. Ne change plus. Oui. C'est-à-dire, racler là, c'est-à-dire, ma nuque respire. Regarde comment il parle. Je te fais signe dès qu'il lance. Anne, tu n'es pas la même chose. Voilà. Mon petit frère a raison. Tu n'es pas la même. Quand c'est une réunion de petits, que tu es à la messe.
Maman verra dit que père fondateur, c'est comment? Quand on fait le nom des petits, c'est en lui, dit c'est dimanche. Je savais dit que ça, ça a changé un peu. J'étais fatiguée de voir l'autre visage là. Ça, c'est New Vic. On a dit que quand je vais aller à la fête de mariage, je soulève ça et dit, hey, pourquoi mon accompagnement doit s'éloigner? Non, c'est ça va être plus joli. Hey! Tu as écouté le message de Marie la dernière fois? Non. Okay. Elle a dit, j'ai ma soeur là-bas. Qui fait les cheveux blancs comme ça, là, les rasta là. Elle m'a oublié. Patricia. Ah oui. Eh, Marie-Louise, oh. C'est bien te saluer. Elle dit, tu m'as oublié. Ouais. Ma fille, c'est toi qui es de pour regarder la là. Pardon, je pense que c'est déjà brown. Je n'ai pas suivi. Anti Marie-Louise. Ça, c'est ouf. Abby, baisse alors. Ton truc est monté derrière jusqu'à. Non, la robe. Hey, Patti, doucement là-bas. Heureusement qu'on n'a pas fixé là. On peut être sexy comme ça. Hein? Ouais. Ah, Anne-Louise, le culte, c'est à 11. Sacramé. Wallahi bilai. Mais c'est ça que j'aime bien, non? Sacramé. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Anne-Louise dit que le culte, c'est à 11h. Hein? Ok. Sacramé en bas, mais bon, ça va. C'est pas. Non, le culte est passé alors. Mais alors, les condiments. Pas de gens, s'il te plaît. Dans le culte est passé. Anne-Louise, organise pour les 10 ans du mariage, pardon. Les 10 ans de mariage, c'est à 10 ans. Là où je parle. Il faut commencer maintenant. Papa, là, comment j'ai commencé? Ouais, là, ça a commencé. C'est pas commencé déjà. Si, ça a commencé. Mais papa, ça va être Anne-Louise. Azaël, il faut leur donner le téléphone maintenant. Mon téléphone doit charger. Alors, quand tu fais toujours esprit, quand tu regardes la télé, tu dis que le téléphone est chargé. Ça va charger. Papa, et je veux pas donner mon téléphone. À côté du Madeleine dit. À côté du Gabon, je suis papa, femme. Ah, merci, coucou, Madeleine. Mamoun, tes condiments. Je livre partout, Mamoun. Il y a une Mamoun qui vend même ça là-bas, mais c'est fini. Son stock est fini. Ah, ça, j'appuie ici pour arrêter ça. Débranche seulement une fois. Pour qui alors? Mamoun, j'expédie partout, Mamoun Cécile. J'envoie partout dans le monde des condiments. Donc, pas seulement ta commande au 00. Non, là, c'est bon, là, pas maintenant, peut-être plus tard, mais là. Donne la bille. Non, je ne vais pas en manger. Mais Pascal n'a pas mangé. Non, là, on va. Avec grignoté, que ça, elle arrête avec le déjà. Ah, lui, il aime comme ça. Je n'aime pas. Lui, il aime ça. Oui, parce qu'il disait que. Vous ne courez pas aux escaliers. Le numéro. Oui, le numéro, maman, le numéro est sur la page 0049-152-16-66-85-35. Mon téléphone. Là. Merci, maman Dieu. J'aime tes peuples. Ah, maman. Et passe-moi la commande, numéro. Pardon. Attends, je mets le numéro, maman. Passez seulement vos commandes. Le numéro est toujours là. Ça doit charger, papa. Ça doit charger. Oui. Okay. Alors, c'est ça. Bretagne. Non, je ne vois pas. En Bretagne, il y a le 44 ou le 56. Qu'est-ce qui dérange? Je voulais le téléphone. Ah, pourquoi ça tourne comme ça? Il faut recommencer. Non, ça fait toujours ça. Attendez, je vais commenter là. Je vais épingler le numéro. C'est chargé. Mm-hmm. Papa, c'est pas allumé, il faut que ça s'allume. Ok. Papa, pour toi, c'est grave. Pourquoi on expédie papa, partout, hein? Partout, pour toi, c'est grave. Partout, maman. Pour partout. Maman, c'est pas grave. Voilà. Comment c'est pas grave? Voilà. Non, ça, c'est pas ça. C'est plus ronde. Voilà le numéro, je vais épingler. Il y a Arsenal qui joue. Voilà. Ouais, jour, papa, c'est on expédie pas. C'est le mari aussi direct. Mm-hmm. Papa, c'est live. Papa, regarde, tu peux prendre. C'est live. Un peu. Ok, merci. You will be to have it.
Passez vos commandes. Exactement. Passez vos commandes ou passez ma moune. J'attends. On livre partout. Merci à vous. Ok. On va regarder le match. Bisous, bisous. Love you guys. God bless you.